a duré un. Cette semaine, les Ficanas rendent hommage à Movember. On apprendra à se coiffer masculin-féminin. Rencontre avec une femme Barbie. On est des garçons. Oui. On va faire une coiffure masculine-féminine. Bonjour. 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 Est-ce que vous sauriez nous coiffer en 10 minutes top chrono pour qu'on ressemble un petit peu à des garçons, mais aussi un petit peu à des filles? Bah oui, quand même. Allez-y, on y va. Ah, ça détend, hein, d'être un homme. J'imagine qu'on ne vous demande pas ce genre de choses souvent, de faire une coiffure un peu masculine-féminine. C'est quelque chose d'irrégulier. C'est pas commun, mais ça nous arrive. Noël, t'es en totale sécurité? Ah bah complètement, moi je suis entre les mains de Chelsea, je sais qu'il ne peut rien m'arriver. T'as peur de rien? Quoique. Hein. Je dis ça comme ça, mais je crois qu'il serait de bon ton qu'on aille faire quelque chose pour la moustache après. Pour l'instant, ça va, tu ressembles quand même à une fille, il y a juste ta moustache là. Bah écoute, toi avec tes boucles d'oreilles aussi, hein. Tu me fais penser à Landru. Eh, tu trouves pas que je ressemble à Ducrot? À qui, pardon? À Ducrot. Ah oui. À quoi ça sert quand tu te quoi? Donc là, l'idée, c'est de bien lisser et d'attacher les cheveux derrière pour que... Non, être dans la peau d'un homme, ça fait quoi? Bah ça fait peur. Quand t'es un homme. Pas de ménage, pas de repassage, pas de cuisine. Ouais, mais c'est mieux de porter la moustache aussi, ça c'est le, ça, c'est le handicap. Ça, ouais, ça, ça fait quelque chose de très racé. On dirait vraiment une coiffure des années 80, ça revient un peu à la mode en fait. Voilà, les côtés rasés, c'est ce qu'on fait souvent sur des coupes courtes aussi. D'accord. C'est des côtés très rasés et c'est masculin, mais en même temps ça donne une part de féminité qui fait. Ça fait ressortir complètement. Ça fait super classique. Moi, je trouve que je ressemble à mon frère. Ah, c'est que c'est bon. C'est que ça fonctionne. Moi, je trouve que je ressemble à mon grand-père, moi. Ça, c'est la moustache. Alors, aussi un peu si on devait donner un qualificatif à ce salon, c'est quoi votre spécialité ici? Ce que vous faites, c'est-à-dire des coiffures un peu originales ou... Ben, nous, on essaye surtout, oui, d'avoir l'originalité que les autres n'ont pas, mais on a aussi ce côté familial qui fait que les clientes sont à l'aise ici. Ah Noël, ça te va vraiment super bien. Bah oui, j'ai plus bien qu'à postuler à l'Eurovision, parce que je crois qu'on peut faire carrière. C'est super beau, sans moustache, ça rendrait mieux. Attendez, magnifique. Eh oui, ça moustache. Ah oui. C'est très bien fait. Hein. Alors c'est vraiment... Tendance. C'est ce qu'on fait cette année. Qu'on donc en plus, c'est vraiment la tendance, hein. Oui, c'est pas juste pour s'amuser aujourd'hui. On apprend à nos clientes, on apprend exactement ça. Okay. Après, vous pouvez varier avec ici, au lieu de laisser attacher, faire un chignon, une tresse, d'accord, mais plutôt sur le côté. Donc ça, c'est une grosse demande que vous avez, vous leur apprenez à le faire et vous leur faites pour une soirée. Merci. Personnellement, je ne réussirai jamais à le faire. Mais par contre, je reviendrai vous le passer. C'est vrai. C'est juste la séparation ici. Et après, c'est juste on tire, on plaque. Et ici, on gonfle. C'est très, très, très. Je ne sais pas ce que tu en penses, Noël, mais il est peut-être temps qu'on fasse quelque chose. Qu'on aille faire quelque chose. Parce que je trouve que du coup, on est tellement joli comme ça. C'est vraiment dommage de garder ce truc-là. Bon, la moustache, c'est bien beau, mais allons voir si Noël est capable de faire quelque chose pour moi. Tu es confortablement assise dans ton fauteuil de coiffeur. Mmh. Eh bien, tu changes, tu es assise dans un fauteuil de barbier, ou plus exactement, de femme barbier. Oui. Ça te tente d'apprendre? Ah, mais ça me tente d'apprendre. J'ai toujours rêvé d'apprendre à raser les hommes de près. Et juste un souci, on n'a pas de main. On a des moustaches, mais on n'a pas de barbe. Si, regarde là. Et caméraman, là, toi, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Eh bien, hop. Bon, bah c'est... regarde, je t'ai trouvé un caméraman qui va bien vouloir prendre. Ah oui, et puis en plus, je trouve qu'il a une barbe un petit peu négligée, donc on va pouvoir s'en occuper, n'est-ce pas, Annick? Alors moi, j'observe, vous faites un côté, Annick, et après, est-ce que moi, je pourrais essayer de raser ce jeune homme? Ah, mais sans problème. Bon, bah écoutez, vous avez confiance, ce jeune homme? Ah, tout à fait. Le coupe-chou. Allez. Elle est très rêche, hein. Il va falloir la huiler. La barbe. Alors, ça fait combien de temps que vous exercez ce métier qui est un métier singulier pour une femme? Oui, ben, il y a 25 ans, j'ai ouvert la brèche. D'accord. De ce métier qui ressurgit et ça, c'est vraiment bien. C'est pas trop barbant de passer la journée avec tous ces hommes? Pas rasoir du tout. Alors, la petite moustache est jolie, mais... elle monte un petit peu trop sous le nez là. Il ne faut pas avoir la tremblote, hein, surtout avec la lame après. Hein? Ah oui, c'est après. Donc c'est ça aussi le rôle du barbier, c'est
de trouver une forme. Là, il faudrait que ce soit un peu plus plein en dessous. C'est bien d'avoir un métier. En fait, maintenant, j'ai un métier d'homme. Voilà. Et alors, Annie, comment vous en êtes venue à avoir envie d'exercer cette profession? C'est un accident, en fait. Ça ne m'est pas venu du tout. Le hasard fait bien les choses. Ouais. J'ai fait un apprentissage classique dans un salon de province, en Sologne. Ouais. Et le maître d'apprentissage a voulu tout m'apprendre. Alors ça, j'en rêve. Est-ce que vous pourrez me savonner après, avec le blaireau? Parce que moi, ça, prévu. J'ai toujours rêvé. Moi, j'aimerais savoir ce que caméraman pense effectivement de cette femme Barbie. Déjà, c'est assez agréable. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude d'aller chez le coiffeur, comme vous pouvez le voir. Donc c'est vrai que c'est assez agréable de se faire arranger la barbe. Oh, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Alex, en plus, il a vraiment le style avec la casquette et tout ça. Est-ce que vous sentez la peur du caméraman monter en lui? Ah oui, là, vous sent l'angoisse. De toute façon, maintenant, Annick a fermé la porte à clé, donc impossible de s'échapper. C'est une lame sur le visage, quoi. C'est quand même... c'est pas rien. Et donc, à votre avis, l'idée complètement dingue de faire en sorte que Noël puisse raser notre caméraman, il y a des risques. Ah oui. Là, il faut toujours enlever le poil que monsieur mange. Parce qu'il mange ses poils. Voilà, au coin de la bouche, c'est dingue. Mais c'est un poil au ventre. Regardez la différence de ce côté. On voit quand même la petite moustache. Ah oui, voilà. Bah oui. C'est vrai que c'est joli. Maintenant, du coup, t'es plus. D'ailleurs, mesdames, hein, il vous plaît, le caméraman, il est à vendre. On vous loue pas cher. On est comme ça. Mm-hmm. Et là, vous passez la lame comme ça, tranquille. Comme ça. Attention. On la couche en plus. On la couche, comme ça. Oui. Ah, mais ça va. Voilà. Bah, là, vous êtes trop à la verticale. C'est là que les choses se gâtent. Je sens la carotide. À l'horizontale. Hein. À l'horizontale, oui, comme ça. Ah bon, mais c'est là qu'on a peur de couper, en fait. Hein. Bah, non, mais c'est attention, parce que la pomme d'Adam dépasse. Voilà, ça suffit. Je tranche. Première sensation, Alex. Je me sens beau. Je me sens grand. Je me sens poli. Enfin, des poils. Ah oui, nous, on va être blairotée et mousseuse. C'est pour la moustache, madame. C'est pour la moustache, Annick. Donc, super génial. La moustache se décolle toute seule. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, chicane assez bien. Il y a des gens qui nous regardent dehors et vont se dire, mais pourquoi des femmes se font raser? Je vais faire du ventre client, là. C'est moi le gros et toi la petite. Oh, c'est chaud. J'ai entendu avec sa moustache.